Pour sa première visite au Sénégal, Dr Nazim Samadaf, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc et au Sénégal, a tenu à faire un tour à l'agence de presse sénégalaise. Très touché par le professionnalisme et les performances de l'APS, l'actuel représentant permanent de la République d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO, voit une coopération étroite entre l'APS et l'agence de presse d'État d'Azerbaïdjan. Ce qu'on propose, c'est vraiment la coopération étroite entre notre agence d'information et l'agence APS. Nous sommes loin, mais l'information régulièrement partagé par les deux agences sur des réalités de l'autre pays. Je pense que c'est un premier pas qu'on peut faire pour rapprocher nos deux pays. Azerbaïdjan est se trouve dans la région très intéressante, très compliquée. Et il passe des événements historiques et Sénégal aussi. C'est pour ça que je pense en Azerbaïdjan, ça peut être intéressant de suivre les nouvelles du Sénégal. Et peut-être ce serait intéressant pour les Sénégalais de suivre les informations sur l'Azerbaïdjan. Une volonté de coopération entre les deux agences de presse, bien appréciée par le directeur général de l'APS, Tcherno Ahmadoussi, n'a pas manqué de marquer toute son adhésion à cette initiative. On marque notre disponibilité. Nous marquons aussi notre adhésion à cette volonté de partenariat. Vous l'avez dit, hein, au niveau étatique, le Sénégal est aujourd'hui dans une position d'exploitation très rapidement du pétrole et du gaz. Vous avez bien fait de rencontrer les autorités compétentes. Et je pense que l'expertise, une école quand même, une académie du pétrole qui date de plus de 100 ans, c'est important de voir cette expertise-là et qu'elle soit utile aussi pour le Sénégal. Par ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes dans une région très intéressante. Azerbaïdjan est un pays qui est lié avec le Sénégal par beaucoup de choses, la religion et autre chose. Donc, c'est naturellement qu'on fera cette jonction, que nos deux agences vont travailler ensemble. L'éloignement peut-être nous empêche d'avoir des correspondants par-ci par-là. Et une fois que cette convention elle est signée, rassurez-vous, l'agence de presse sénégalaise sera à la disposition de votre agence de presse pour lui fournir des informations de qualité issues en tout cas du Sénégal et de toute la sous-région. Parce que comme on le dit, nous sommes la vitrine du Sénégal, mais nous avons la chance quand même d'être une agence réputée, comme plusieurs agences de presse, avec une réputation d'une information crédible.